Hey mes affections, on continue notre série d'Halloween avec cette blanche neige pourrissante. C'est parti! Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter la vidéo si tu as aimé ce genre de make-up et si tu en veux plus. Alors il se trouve que dans mon fourbi, je n'ai pas retrouvé la vidéo de la prothèse. Ou l'avais-je seulement filmée, je ne sais plus. Dans tous les cas, c'était une prothèse faite en latex, c'était la première ce que je faisais. Donc ce n'est pas bien grave, j'ai juste appliqué du latex sur mon visage en plâtre. J'y ai pressé le bout du pinceau pour faire des trous et j'y ai ajouté des espèces de verres réalisés en cire. Rien d'extraordinaire, mais l'effet était plutôt sympa. Une fois bien sèche, je l'ai saupoudrée de talc afin de l'enlever facilement de mon plâtre et pouvoir me l'appliquer sur la face. Quant à nous, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'application. J'ai déjà maquillé la moitié de mon visage avec un petit maquillage glamour, c'est-à-dire lèvres rouges, highlighter, petit smoky eyes très sexy et évidemment une bonne couche de fond de teint pour les photos, hein. Bref, la totale. Voilà ma prothèse, donc que j'ai fait sur mon œil 3, ça sera quelque chose comme ça. Hop, donc ce que je vais faire d'abord, c'est vraiment enlever les bords qui vont me gêner ici et venir protéger mon œil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du latex à l'intérieur et sur les côtés la Pro L pour vraiment que ça colle bien. Alors je reviens un instant sur mon œil. Faites hyper attention, protégez bien vos yeux lorsque vous utilisez des produits FX. Ça peut être des produits toxiques, irritants, donc ne faites pas n'importe quoi. Et surtout, faites attention à votre santé. Puis, je plaque bien la prothèse sur mon visage, donc surtout en insistant sur les bords. Ce qui est un peu compliqué avec les prothèses en latex, surtout fait maison, c'est que les bords ne vont pas disparaître, hein, ça va pas être un tour de magie. Il faut faire les bords les plus fins possibles pour pouvoir les faire fondre ensuite dans la peau. C'est plus facile avec d'autres types de matériaux que l'on peut directement fondre, mais avec ce type de prothèse, c'est presque impossible. Par contre, j'ai une petite technique que je vais vous montrer juste après. Et donc, la fameuse technique, c'est de venir mettre de la cire tout autour des bords de la prothèse pour vraiment tenter de la fondre avec la peau. Donc, que l'on fait chauffer un peu dans ses mains pour qu'elle ait la température ambiante et qu'elle puisse bien être malléable. Et on vient vraiment la fondre avec notre peau. Alors cette cire-là, elle est un petit peu blanche, il faudra bien sûr la peindre par la suite pour avoir vraiment l'effet peau. Ensuite, il nous faut donner un petit peu de relief à notre prothèse. C'est-à-dire on va redessiner l'œil, redéfinir les trous avec un peu de noir pour donner une idée de profondeur, autour de nos verres putrides pour leur donner un peu plus de relief. Et je rajoute aussi un peu de sang frais pour donner un peu plus de texture. Le souci, encore une fois, avec ce type de prothèse, c'est que le rendu est assez, dur. C'est-à-dire que c'est pas comme du silicone où ça va bouger avec le mouvement. On va sentir, on va avoir l'impression d'une peau. Avec le latex, même si c'est moins cher, le rendu est forcément moins sympathique. Mais il faut bien commencer quelque part et en plus c'est vraiment bon marché par rapport à du silicone. On a quand même un rendu plutôt glauque avec pas beaucoup de matos. Et une fois que ma wax a bien durci, je viens fondre les bords donc avec un peu de fond de teint couleur peau que je tapote légèrement sur la cire pour venir vraiment faire fondre le tout ensemble et ne pas avoir de démarcation. Plus qu'à détacher notre chevelure de lionne, à rajouter quelques accessoires, un costume, et l'horreur peut enfin commencer. J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner surtout pour appartenir à la Perfect Family et faire encore plus de make-up gore. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, bye! Alors je vais l'enlever parce que ça commence à m'embêter. Donc du fait que j'ai mis très peu de colle Pro-Aid, ça s'enlève très bien.
Hop là. Ah, je déteste les make-up où un œil est fermé parce que ça me... Ah, j'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Ça fait du bien. Donc voilà ma prostate. Ma prostate.